on ne change pas une équipe qui gagne. C'est la formule consacrée. Daniel Compère, du Progressiste. Bonsoir, bonsoir à tous. Gabriel Gallion, de France Antilles. Bonsoir. Michel Blanchy. Bonsoir à tous. Justice. Oui. J'ai failli dire le Progressiste. Quel transfert. Open Soft System. On est dans les pompes du Mercato. Oui. Open Soft System et Dimarjo, ça va bien? Bonsoir, ça va. Bon, citation. À l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. Gandhi. Mm-hmm. Hein? Je trouvais ça vraiment bon. On est complètement en dehors des périodes et des saisons de commémoration, mais bon, mais enfin, c'est... Il ne parle pas uniquement des chaînes physiques, bien c'est évidemment. Évident. En fait, j'apporte une petite nuance, parce que un sage martiniquais me rappelle qu'il y a quand même ce qu'on appelle le syndrome du chien créole. Hein. Le chien créole a une chaîne, mm-hmm. et il sait qu'il a une longueur de chaîne. Tant qu'il a la chaîne, il l'attaque et la chaîne le retient. Le jour où vous enlevez la chaîne, il se rend compte qu'il n'a plus de chaîne, il n'attaque pas. Il peut rattraper. Parce qu'il appuie aussi sur la chaîne. Quoi, voilà, c'est, voilà. C'est de là que vient l'expression « masse non chaîne ». Voilà, exactement. Comment dévoyer une pensée de Gandhi? La martinicanisée. Gagnon, pourquoi vous parlez? Vous n'avez pas... Quoi de neuf sur le front de la FIFA? Voilà, puisque vous déterminez intempestivement. Quoi de neuf sur le front de la FIFA? Est-ce que je peux placer une autre petite oui, pas pensée que je, qui me vient du Portugal? Je viens d'animer un petit séminaire. C'est toujours intéressant parce qu'il y a des choses qui viennent. Et ça me réconforte dans cette volonté d'aller plus loin sur l'information. Et il y a un type. C'est le maire de Lisbonne qui commande des études pour savoir comment sa ville va se développer. Et autour de lui, il y a des conseillers municipaux qui font « Ah ouais, non mais bon, ça sert à rien, et puis de toute façon, c'est trop cher. » Et il regarde les conseillers municipaux, il fait « Si vous trouvez que l'information est trop chère, essayez l'ignorance. » L'alternative est fatale. Je reviens. Donc pour des journalistes, c'est fabuleux. Oui, oui, oui. Je reviens après mon Gabriel. Quoi de neuf sur le front de la FIFA? Rien de croustillant et de neuf, sinon que la Suisse a tendance un peu à élargir son dossier. Et aujourd'hui, une audience de Steve Blatter et de Jérôme Valcon n'est pas à écarter dans les prochaines semaines. Ah bon? Oui. Donc on attend tranquillement que ça on chauffe. Attend tranquillement, c'est donc bon. C'est toujours sur le volet de l'attribution des Coupes du Monde 2008 Russie, pas 2018 Russie, 2018 Russie et 2022 Qatar qui sont au cœur des enquêtes et que, qu'on le veuille ou non, ben, il se peut que la justice suisse demande à M. Blatter quelques explications complémentaires. Pendant qu'on y est, je vous tiens, M. Gagnon. L'équipe de France s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du mondial féminin. Dame. Messieurs, vous êtes tombé dans le piège Joule. But 1-0. Alors je répète, l'équipe de France s'est qualifiée pour les huitièmes de finale du mondial Dame. Parce que vous pensez bien que j'ai repiqué ça quelque part et j'étais tombé dans le piège. J'avais mis féminine Dame. J'ai enlevé féminine. M. Gagnon, à vous la parole. En écrasant le Mexique, c'est 5-0. Pas mal. Non, c'est un peu logique. Avec deux Antillaises dans les rangs. Oui, mais c'est un peu logique. C'est une équipe qui a été toujours dans le tableau depuis 6-7 ans. C'est logique, elle se qualifie pour les huitièmes de finale. Avec une petite fausse note qui a un peu surpris tout le monde, ça a été sa défaite face à la Colombie. 2-0. Là, c'est un petit peu la fausse note, le 7 de ce parcours. Mais les huitièmes, ça sera, je crois, alors le tirage au sort fait Corée du Sud. C'est pas la Costa Rica, c'est la Corée du Sud. Non, Corée du Sud, c'est plus viril, il faut le dire. Bon, maintenant, ce sont les matchs éliminatoires, il faudra passer. Logiquement, l'équipe de France féminine a le potentiel pour passer arriver en quart. Battu du quart, là, c'est la loterie. Tout est possible. Mais bon, logiquement, cette équipe de France a le potentiel pour arriver au moins dans le dernier quart. Oui. Voilà. Dans le huitième. En quart, ils vont être contre les États-Unis. Je me tourne. Si les États-Unis sont qualifiés. Oui, a priori. C'est évident. Je me tourne vers mon autre spécialiste. Copa América, est-ce que tu as suivi? Oui, je regardais. Parce que Gagnon m'a dit, ouais, moi, j'ai pas Bein Sport, alors j'attends jusqu'à 10h. Enfin, il bougonne, quoi, dans sa moustache. Le problème, c'est que c'est la seule chaîne. Je vais voir sur TV Globo.
Il m'a dit que le Globo, j'ai attendu jusqu'à minuit, 11h, je n'ai pas eu non plus. Non, c'est Bein qui retransmet. Bein Sport. Bon, j'ai regardé quelques matchs, notamment un match assez exceptionnel entre l'Argentine et l'Uruguay. Et c'était dur. Bon, ils ont gagné, les Argentins ont gagné. Il y a eu un match aussi crispant qui est Brésil. Non, le Brésil a gagné. Brésil-Pérou. Mais le Brésil a perdu. Difficilement. 2-1. Mais le Brésil a perdu hier soir. C'est hier soir. Et ils méritaient de perdre parce qu'ils ont été. Contre qui hier soir? Contre la Colombie. Contre la Colombie. La même Colombie qu'ils avaient battu difficilement en quart de finale il y a un an. 2-1. Et c'était au bout de ce match que Neymar avait reçu un coup de genou dans le dos. Ouais. Et on avait cru à la paralysie. Il était sorti sur le brancard. Il était un petit peu resté bloqué. HS. C'était un peu le match du retour. Et ça s'est mal terminé, ce match. Hein. Et ça s'est mal terminé. Oui, ça s'est mal terminé. Ceci étant... Celui-là, celui d'hier soir, c'est mal terminé. À nouveau. Neymar a été expulsé. Ils ont un passif. Avec la Colombie, il y a un souci. Ils ont un passif, mais ils ont un passif aussi footballistique. Ouais. Pour avoir vu... match du Brésil il y a 2 ans, Brésil-Colombie. C'est un match amical préparatoire à la Coupe du Monde. Brésil-Colombie, le Brésil s'est mangé 3-1. Et je vais vous dire que, mis à part les bas, on peut se demander si l'équipe du Brésil n'était pas de l'autre côté, si elle n'était pas devenue la Colombie, au niveau de jouer le football. Ouais. Donc là, on est peut-être à un tournant où, je vais reprendre un mot de Paulo César, pour ceux qui connaissent le football, j'ai pas besoin d'expliquer. Ça qui pas qu'on a dit, pas un dictionnaire, ben moi. Oui. Paulo César, champion du monde 70, oui, qui disait récemment dans une interview, au Brésil, on joue plus au football. Ils savent que courir très vite. Oui. Ils savent plus toucher le ballon. Ouais. J'ai lu cette interview. Ouais. Voilà. Et les Colombiens sont devenus vraiment bons. Ouais. Alors un peu de culture générale, la 44e édition de la Copa América, qui est une compétition internationale de football la plus ancienne au monde, puisqu'elle remonte à... Non, pas plus vieille que la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est 1930. Ouais. Ah oui, ouais, ouais. Donc celle-là est plus récente. Mauvaise information, vous voyez comment on peut se laisser influencer par les collègues. Se déroule au Chili depuis le 11 juin, elle a commencé. C'est peut-être la plus vieille... Du continent. Voilà, la plus vieille compétition continentale. Continentale, voilà. Oui. Oui, plus vieille que la Coupe d'Europe, parce que la Coupe des Nations, c'est 1960 la première. Ouais. Alors, elle est organisée par la Confédération Sud-Américaine de Football, qu'on appelle la CONMEBOL. Mm-hmm. Amusant. Elle a lieu tous les 4 ans depuis 2007. Alors, elle voit s'affronter naturellement les sélections des pays du continent. Et puis, 2 pays invités. Et cette année, donc, il y a 12 équipes nationales. Et cette année, il y a 2 pays invités. C'est le Mexique. Voilà. Ouais. Amérique centrale, on va dire. Donc, vous allez, messieurs, suivre ça pour nous. Nous suivons. Très méticuleusement. Nous suivons. Et puis, il faut quand même rappeler que l'avant-centre de l'équipe de l'Uruguay, Cavani, a déclaré que la Jamaïque était une équipe africaine. vous avez suivi ça peut-être, et il s'est repris le lendemain. Enfin, il fait pas mieux que notre premier ministre qui a situé quand même la Réunion dans le Pacifique. Bon. Mais tous ces types là ont de vrais problèmes de localisation géographique. Alors il s'est excusé le lendemain en disant que non, ce qu'il avait voulu dire, c'est que la Jamaïque avait grosso modo un type de jeu africain. Il y a un type de jeu africain. Il s'est enfoncé. Non, mais... et la Jamaïque a failli leur poser des problèmes, ils ne l'ont battu que 1-0 avec un vieux but comme ça. Donc, un vieux but africain. Étant Cavani, il est dans la mouvance de l'enquête de la FIFA qui a enquêté sur le versement pour l'Afrique du Sud de fonds à la fédération CONCACAF pour soutien de la diaspora africaine. La Jamaïque est dans la CONCACAF. Donc Cavani était dans cette mouvance-là. C'est vrai que... Surtout qu'en Uruguay, les Noirs, on les compte sur les Noirs. Moi, j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'à l'occasion d'une compétition comme celle-là, qui regroupe des gens d'une partie géographique, est-ce qu'elle exprime un football particulier? Parce que ce sont les stars des équipes européennes que l'on retrouve là, les Cavani, les Messi, les Neymar. Mais est-ce que malgré tout, quand ils se retrouvent ensemble, est-ce qu'il y a un football différent? Je sais que Gabriel n'y croit pas. Il dit football, maintenant c'est football viril. Dans le temps, oui. Ouais. Dans le temps, il y avait un football sud-américain, il y avait un toucher de balle, il y avait un jeu. Le Brésil se distinguait par le
Le bonito, le beau jeu. L'Uruguay se manifestait par son jeu rigueux. L'Argentine se distinguait par un jeu technique qui était reconnu par quelques Brésiliens éclairés comme supérieur à la technique brésilienne, mais c'était que technique, il n'y avait pas une évolution du ballon. Le Paraguay, où il y avait des individualités, mais il y avait aussi un sens d'occupation. Il y a un toucher de balle sud-américain qui était indéniable. Le Pérou. Voilà. Et le Pérou, bon. Maintenant, c'est fini. Maintenant, il y a tout. Le problème, c'est que la plupart des joueurs aujourd'hui évoluent en Europe et que les schémas de jeu des pays sud-américains, ce sont des schémas de jeu qui sont copiés sur les schémas de jeu européens. Donc, parce que, autant jusqu'aux années 60-70, à la limite, le principe de défense n'était pas le premier élément dans l'évolution du jeu de l'équipe, aujourd'hui, on commence par défendre avant d'attaquer. Autrement dit, le football, lui, c'est lui aussi globalisé, Michel. Tout à fait. Et la vieille Europe a imposé sa manière de faire. Comme d'habitude. Mais c'est ça qui est dommage. Ouais. Ouais. Alors, il faut quand même rappeler que c'est la vieille Europe qui a créé le football. Oui, mais enfin, je suis un nostalgique du football brésilien. Comme tu t'as dit, bonito. Il reste quand même. Gabriel est super sévère. Pour regarder les matchs, il reste quand même. Il y a un style. Il y a un style qu'on ne retrouve pas. Par exemple, c'est pas forcément beau, mais par exemple, le fait de ne pas courir avec le ballon, de le poser, de faire des passes, on ne retrouve pas ça dans le football européen, sauf peut-être du côté de Barcelone. Mais Barcelone s'est largement inspiré du football brésilien. Hein. Comme par hasard, on comprend pourquoi Valls va aller voir. Et on comprend pourquoi il gagne. Et il faut quand même rappeler que le trio d'attaque de Barcelone est 100% sud-américain. Une autre forme de compétition sportive. L'Université des Antilles entérinée définitivement, et puis les professeurs sanctionnés. Alors, moi, je veux parler de ce qu'elle peut, vous comprenez, compte tenu de ma position. Mais enfin, en tous les cas, l'Assemblée nationale a définitivement adopté le projet de loi portant la transformation de l'Université Antilles-Guyane en Université des Antilles. Et puis, sur le modèle de gouvernance, il y avait un petit problème. La solution proposée par la Guadeloupe, la communauté universitaire de Guadeloupe, le gouvernement l'a emportée sur celle du Sénat, qui consistait à vouloir faire élire un ticket à trois de gestion. Maintenant, une fois que la présidente est élue, les vice-présidents sont élus par chacun des deux pôles. Vous avez un commentaire à faire? Moi, je ne fais pas de commentaire. Vas-y. Je pense qu'on commence à rentrer. Le fait que la presse, que les politiques et que globalement l'opinion publique s'intéresse à la fac est plutôt un bon signe. Et c'est un signe probablement de début de transparence. Parce que cette fac que j'aime bien a vécu une très longue période d'absence totale de transparence. Et là, ça suffit, quoi. Maintenant, il faut... cette fac, elle appartient au peuple, et donc il faut qu'elle soit transparente, ouverte sur le monde, et que la démocratie s'y implante. Ça ne veut pas dire que ça ne fonctionnait pas, mais ça fonctionnait quand même sur des modèles qui étaient quand même un peu tristounets et qui reposaient sur un système quasi féodal. Faut arrêter ça, quoi. Les copinages, les machins, les trucs. C'est Eddy Mahajou qui a dit ça. Oui, je le dis. Je ne partage pas tout à fait l'avis d'Eddy parce que je le trouve trop optimiste. Je croyais que tu allais dire trop sévère. Non, trop optimiste, pas du tout. Parce que dans tous les pays, les universités fonctionnent en vase clos. C'est-à-dire, j'y pense, quelquefois en sortant d'ici, je passe devant l'université. Parce que j'aime bien faire un tour. Et je me rappelle que moi-même, ça fait des années que je n'y ai pas mis les pieds. Je veux dire que l'université dans un pays, c'est une espèce un peu comme l'armée. Une caserne. Voilà, quel rapprochement. Une caserne fermée. Hein, c'est un vase clos. Ils vont apprécier. Donc, c'est bien qu'effectivement, on puisse, j'allais dire, mettre le nez là-dedans. Bon, l'expression est un peu triviale, mais on comprend très bien ce que je veux dire. Ce qu'il faut, c'est qu'après les soubresauts qu'on a connus, ça ne retombe pas dans l'oubli. Oui. Que l'université ne retombe pas de la part du peuple, comme tu dis, de la part de la population, de la part des gens
comme disent les communistes, mm-hmm. que ça ne retombe pas dans l'oubli et qu'on ne sache même plus que ça existe. Il y a juste comme un élément. C'est, en fait, je trouve que pendant des années, on a été quand même relativement cool avec un organisme qui est quand même financé à 100% par des fonds publics, quoi. Autant on s'intéresse à l'école et on a des débats tout le temps sur les résultats, etc. Vous ferez avec moi le constat que on s'intéresse pas. On ne connaît pas les résultats. On ne connaît pas les résultats. Il n'y a pas de communication. On ne connaît pas le classement des universités. Voilà. En tout cas, il n'est pas. On ne communique pas. On ne communique pas. Par exemple, nous, on réagit difficilement, souvent par ignorance et puis par désintérêt à des éléments catastrophiques en matière de résultats. Ouais. 70% d'une classe d'âge qui rentre en première année ne va pas plus loin. Alors que nous, on s'émeut du fait qu'il y a 15 000 gosses qui sortent du système scolaire entre la maternelle et la terminale. Mais par contre, après c'est encore plus catastrophique et ça n'éveille aucun intérêt. Et je ne porte pas de jugement sur ce qui a été fait, sur le scandale, etc. Je porte un jugement plutôt optimiste sur le fait qu'enfin, on va peut-être systématiquement s'intéresser à ce qui se passe derrière les murs de cette fac. Alors, sur ce que tu appelles le scandale, il faut le préciser, il s'agit du laboratoire d'économie qui a eu Cérygmia, dont les professeurs Célimène Le Gossa et Crépin. Oui, son Carpin, qui est lui qui était doyen de la faculté de droit, ont été soumis à l'autorité disciplinaire de Toulouse et qui sont sortis de là pour les deux autres que Célimène sont sortis avec la sanction la plus faible. Un blâme. Qui existe, un blâme, c'est la première sanction. Et pour Célimène, aucune sanction sur le plan professoral, mais simplement une interdiction d'exercer la direction du laboratoire pendant 5 ans. Oh, tu dis simplement, moi je dirais que c'est quand même une section lourde. C'est lourd. Pour quelqu'un qui a dirigé un département, le fait d'être... Je compare ça à l'interdiction pour un chef d'entreprise d'exercer sa profession de chef d'entreprise. Si c'est une section extrêmement lourde sur un plan opérationnel. Il faut quand même le dire. On en parlera après, si tu veux. Mais pour les gens qui nous écoutent, pour les informer. Donc, enfin, il n'a pas été touché dans l'exercice de sa profession, alors qu'à l'origine, ils étaient tous les trois partis pour des malversations. N'oublions pas que la demande, la formulation de la présidente de l'université auprès de ce conseil de discipline, c'était la révocation. La révocation. Oui, non, mais il faut insister sur le fait que, bon, effectivement, elle n'a pas obtenu. Gabriel, excusez. C'était la demande de révocation. Deux, le conseil de discipline n'aura pas interdit d'enseigner. Bon. Okay. Aucun des trois n'a interdit d'enseigner. Fred Célimène, qui est directeur, est interdit de fonction de direction. Mais ils n'ont pas d'appartenance au laboratoire. Non d'appartenance et non d'enseignement. Les trois enseignent. Ce qui m'intéresse, ce qui est intéressant, ce n'est pas le résultat, ce n'est pas la sanction d'elle-même, ce n'est pas le résultat, ce sont les attendus. Mm-hmm. Le conseil de discipline, dans ses attendus, reconnaît que s'il y a eu des dysfonctionnements, ça ne vient pas des trois professeurs, mais d'une attitude globale et générale à l'université qui perdurait depuis très longtemps. Ben, c'est ce que j'ai dit au départ. Hein. Un. Deux, que la sanction de Fred Célimène, l'interdiction de direction, c'est qu'on lui dit, même s'il n'était pas l'ordonnateur, c'était le président de l'université, donc ceux qui étaient président de l'université, même s'il n'était pas ordonnateur, mais du fait qu'il était directeur, il a contribué au dérèglement global de l'université. C'est la raison pour laquelle on enlève la direction. Pour les autres, Carpec est directeur adjoint. Vous êtes directeur adjoint, vous avez laissé passer, vous n'avez pu rien faire, mais bon, quand vous étiez là-dedans, alors vous mettez une sorte. Bon, moi j'ai l'impression, lecture globale, s'il faut retenir une chose, que l'université redevienne vraiment une université et qu'on délivre des diplômes universitaires aux étudiants. Donc, c'est ça qui compte. Deux, malheureusement, j'ai l'impression que je reviens au vote de l'Assemblée, mon CIS est à cadrer, c'est réglé à l'Université des Antilles, il y aura les deux pôles. Les deux pôles impliquent deux vice-présidents distincts et un président global. Si ce trio ne fonctionne pas ensemble, c'est la mort directe de l'Université des Antilles. On va en retrouver avec des unités d'enseignement, une en Guadeloupe, une en Martinique, et on va retomber peut-être, malheureusement, à ce qui était l'Institut Vigier de l'époque, pour les plus anciens, une petite unité, il y avait quelques étudiants qui s'asseyaient. Je crois que ce qui s'est passé là, de par le départ de la Guyane, on a peut-être tué
quelque chose qui était intéressant, qui était fondateur et qui était vraiment les prémices d'un avenir beaucoup plus intéressant. Bah, je vais partir de ta dernière observation. C'est quand même ça le fond du problème. C'est que au-delà du mode de fonctionnement qui était peut-être un peu mandarinal de l'université, mais à mon avis, c'est pas le propre de l'université des Antilles, c'est le système universitaire et français. L'autonomie des universités. Qui est ainsi conçu. Néanmoins, il y avait un projet qui dépassait l'université, c'est l'idée que la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane peuvent réaliser, notamment dans un domaine, et aussi dans le domaine de la recherche, quelque chose ensemble. Et c'est ça qui a été tué à cette occasion. Voilà. Concernant les sanctions, bon, moi je crois que, vu les données du problème, ceux qui ont jugé, ils ont quand même sanctionné. Ils n'ont pas sanctionné comme le souhaitait la présidente de l'université. Il y a appel quand même. Hein. Bon, il y a un appel. Et puis, ça, c'est l'aspect disciplinaire. Hein. Et puis, voilà. je ne vous fais pas. Néanmoins, l'université dit, nous sommes obligés de prendre en charge une somme de 9 millions qui nous est réclamée. Donc, il y a quand même un préjudice. Et par conséquent, l'affaire se poursuit sur le plan pénal. Voilà. Ouais. C'est ça. Bon, alors, quant au vivre ensemble Martinique-Guadeloupe, il est certain que ça a révélé à cette occasion que les vieux démons. Martinique-Guadeloupe, Guyane, parce que la Guyane, les vieux démons basés sur la démagogie. Ne sont pas morts, hein, et que il y a un travail de la part des forces sociales, pas seulement universitaires, mais politiques, pour faire comprendre que il n'y a pas d'avenir en Martinique et en Guadeloupe, que ce soit sur le plan universitaire, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique et humain, si nous n'arrivons pas à surmonter ces antagonismes qui, à mon avis, sont suscités par certaines forces, par démagogie. Alors, une petite intervention globale sur cette dernière question sur laquelle je me permets de répondre. Sur le point de l'endettement de l'université, je ne m'exprime pas là-dessus, mais tout ça va s'éclaircir au fur et à mesure, comme ces premiers résultats ont montré que... Enfin, moi je peux... Attends, qu'une montagne peut accoucher d'une souris. Mais sur le plan, ça sera pareil sur le plan pénal, la montagne va accoucher d'une petite souris, mais ce sera identique, vous allez le voir tout doucement. Au final, on va se demander pourquoi on se retrouve à devoir ces 9 millions, on saura également pourquoi et comment on les doit, mais ça viendra aussi. Mais je n'ai pas à intervenir là-dessus. Ce que je veux dire, et je te passe la parole, Didier, c'est que les Martiniquais ont une attitude reprochable, entre guillemets, ce n'est pas seulement la démagogie. S'il y avait une fraternité vraie entre les Guyanais et les Martiniquais, il n'y aurait pas eu une scission de la Guyane. Et l'acharnement que les Guadeloupéens ont eu à vouloir s'autonomiser par rapport à la Martinique, ce n'est pas non plus du délire. Il faudrait que les Martiniquais se posent la question, plutôt que de ressasser en permanence qu'il y avait une diversité globale. Surtout un communiste devrait se dire, mais pourquoi nous en Martinique, on a un tel problème? Et regardez un petit peu l'attitude, en quelque part, tu connais mon opinion sur la gouvernance actuelle de la région, mais l'attitude excessivement humble de M. Letchimy la démarche qu'il a eue à l'égard de la Caraïbe et c'est de ça qu'on devrait s'inspirer, c'est-à-dire arriver avec des propositions d'abord concrètes, une fraternité. J'ai eu à exercer dans mes fonctions paraprofessionnelles une certaine responsabilité où j'incluais les Guyanais. Ils sont à notre égard excessivement, le mot n'est pas trop fort, révulsés à cause du comportement que l'on a. Les magasins et les coiffeurs du Venezuela ne veulent plus voir les touristes du Venezuela parce que dès que les Martiniquais arrivent, c'est pareil au Panama, etc. Je n'invente pas des histoires. Il faudrait qu'on les fasse preuve aussi. Notre émission est là pour ça. D'une certaine humilité, d'une certaine vraie fraternité. Plutôt que de croire que des schémas théoriques abstraits d'une grande université caraïbe, que c'est des couillons, les Guadeloupéens et les Guyanais. Ils ne sont pas assez intelligents pour comprendre qu'il fallait une université. Ce que je voulais dire, c'est qu'il existe effectivement des tensions, mais il y a des gens aussi qui essaient de prospérer politiquement sur la base de ces tensions. Tout le monde veut. Non, mais allons élargir un petit peu le débat, et tu as raison de parler de comportement, mais au-delà du comportement, il y a une réalité historique et économique. Les deux sont liés.
Je vais vous citer une anecdote. Dans l'entourage de Lurel, il y a une volonté de garder une différence de taux sur l'octroi de mer. Alors, les Martiniquais disent... La Guyane, pareil. Pareil. Alors, soyons concrets. Sur un certain nombre de produits, les taux d'octroi de mer en Guadeloupe sont beaucoup plus bas que ceux pratiqués en Martinique. Or, nous sommes, théoriquement, sur un marché unique. Antillais. Donc, marché unique, les taux devraient être les mêmes. Pour éviter quoi ? C'est que les importateurs martiniquais fassent passer leurs produits en Guadeloupe et puis les rapatrient en Martinique, puisque les produits ne vont pas payer deux fois l'octroi de mer. Ils payent l'octroi de mer le plus bas en Guadeloupe et ils sont importés en Martinique en franchise d'octroi de mer. Donc, dans l'entourage de Lurel, donc, les gens de la chimie interrogent Lurel en disant « Mais à nous, mettre ces bagages-là au même niveau. » Et Lurel dit « Bon, j'ai pas de problème sur l'octroi de mer. » Parce que l'octroi de mer touche les produits importés et les produits fabriqués en Guadeloupe par des Martiniquais. Les trois quarts de l'industrie en Guadeloupe, ce sont des Martiniquais. Donc, j'ai pas de problème. OK ? Donc, cette réalité économique-là, puisque nous, on a recensé 50 groupes qui font plus de 20 millions d'euros en Guadeloupe. Sur les 50 groupes, il y en a 36 qui sont d'origine martiniquaise. C'est ça la réalité. Okay. Mm-hmm. Donc au bout d'un moment, le type, il essaie de défendre son économie et ceux qui dominent son économie sur le plan économique viennent lui donner un certain nombre, j'allais dire, de leçons, de conseils sur le plan politique. De conseils puissants sur le plan politique, etc. Au bout d'un moment, si nous nous mettions à la place des Guadeloupéens et des Guyanais, nous aurions eu exactement la même attitude. C'est-à-dire, au bout d'un moment, stop. Nous sommes d'accord. Oui. C'est-à-dire que dans ce triangle ou ce triptyque Guadeloupe-Guyane-Martinique, il faudrait que les trois pays, je dis bien pays, pas département, soient à égalité. Et non pas que l'on ait, je dis exprès, l'impression, ce n'est pas qu'une impression, que la Martinique veut dominer les deux autres. Rappelez-vous, au début des années 80, comment on disait à l'époque, la régionalisation, la décentralisation qui allait se mettre en place. Il était question de la grande région Antilles-Guyane. Vous vous rappelez cela ? Pourquoi ça ne s'est pas fait ? Pour les mêmes raisons que vient d'indiquer Eddie, qui perdurent. Ces messieurs de la Martinique et ces bonnes gens de la Guadeloupe ne parlent même pas des Guyanais. Bon, et alors, ce qu'il faut craindre par contre, et moi personnellement c'est là que je mets l'accent, c'est ce que j'appellerais un peu durement peut-être le nationalisme au petit pied. Tu vises qui, là ? Oui. Nous tous. Les trois pays. Le nationalisme au petit pied. Et je suis nationaliste. Mais, à trop vouloir, comment dire ça en français ? S'affirmer individuellement. Étroitiser la chose, on finit par aller à l'inverse de ce qu'on veut promouvoir. Mais oui, je suis d'accord avec Michel. Ça arrive, hein. Ouais. Ah ben. Il ne dit pas que des bêtises. Mais, je dirais même plus, comme dirait Dupont D. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a historiquement un capitalisme martiniquais qui est plus dynamique qu'en Guadeloupe, pour des raisons que nous connaissons bien. Bon, mais il ne faut pas ignorer le grand frère français européen contre lequel personne ne dit rien. Alors, c'est facile de faire du nationalisme au petit pied contre l'Antiniquais, pendant qu'on ouvre, il suffit d'aller en Guadeloupe, et on voit que toutes les entreprises, tous les commerces, toutes les activités, notamment touristiques, ne sont pas entre les mains de Guadeloupéens ni de Martiniquais. Bon, bien sûr. Combien le grand frère européen, français, apporte combien d'argent à l'économie guadeloupéenne ? Au total, on est sur, comme en Martinique, c'est à peu près environ 7 milliards d'euros par an. Et les collectivités réunies ? 5 milliards. 5 milliards. Ouais. C'est l'investissement public, c'est environ 5 milliards par an. Ouais. Ce qui, au global, est important, mais sur la masse du business, et reste quand même un peu marginal. Voilà. En parlant de business, on va faire une rapide étude du nombre d'emplois générés par le tourisme en France pour le rapprocher et savoir si on peut puiser auprès du grand frère français des leçons pour créer de l'emploi ici, si vous voulez. Alors, quelques chiffres qui sont sortis. C'est une étude de l'INSEE. Hein. D'abord, ça fait 1 031 000, je ne savais pas que ça pouvait faire autant de monde d'emplois en France, le tourisme. C'est beau, ça. Ah oui, mais c'est 1 031 000. Quand il y a Paris, quand il y a Chartres. Exactement. Il y a Lourdes, on y va. Soit 4% de l'emploi total. Ce qui est tout petit. Oui, c'est petit. Oui, mais n'empêche que c'est quand même. Ici en Martinique, le PIB
Le PIB du tourisme, c'est à peu près 4%. Ouais. Non, de l'emploi. Je ne sais pas, au niveau de l'emploi, mais il me semble que c'est de l'ordre de 3%, 2,5%. C'est pas long. Nous, on perd les emplois, ils en ont grand. C'est là que je veux en venir. Donc, alors, il y a deux catégories, les emplois qui sont tout proches du tourisme, et puis ceux qui sont, disons, des corollaires dépendants du tourisme, si ça fait 986 000, 1 million, disons. Enfin, l'étude de l'INSEE porte sur 1 million de travailleurs. Et puis 300 et quelques qui émanent des activités touristiques. L'étude se focalise sur d'abord les espaces urbains, qui concentre 54% de ses emplois. Bon, ça ne m'intéresse pas tellement. Quant au tourisme d'affaires, encore que Lille est comme une autre île, est comme une sorte de grosse configuration urbaine. Quoi. Oui, on peut comparer la Martinique à Paris, la région parisienne. Quoi. Enfin, en termes de surface. En termes de d'activité possible. Ouais. Donc Paris et sa région rassemblent 13 des 20 sites culturels et créatifs, je ne vais pas les citer, vous savez, Louvre, l'Étoile, etc., Château de Versailles. La capitale cumule aussi près du tiers de la richesse dégagée par le tourisme en France dite métropolitaine. L'emploi touristique est encore plus vital pour les espaces littoraux, c'est là que c'est intéressant, les espaces littoraux et montagneux, qui représentent que 10% de la population et concentrent 20% de l'emploi local touristique. Ces emplois sont marqués par une forte saisonnalité. Ouais. Alors, premier constat, nous, on n'a pas de saisonnalité, mais la saisonnalité nous est imposée, oui. Mais on peut jouer quand même, il faudra bien l'envisager. Mmh. Je prends l'exemple d'un petit festival, un micro-festival auquel je participe. On nous fait comprendre chaque année qu'il faudrait changer de date. Bon, le mettre en janvier. Mais nous, pas qu'attendre à rien, nous, on continue à le mettre en août. Il faut être raisonnable, quoi. Soit si on veut avoir une activité qui participe réellement, mais soit on veut se faire plaisir et faire plaisir aux copains qui reviennent à la diaspora qui revient en vacances. Bon, bref. Alors, les stations de ski rassemblent moins de 1% de cette population, mais 7% de l'emploi local et touristique, avec deux pics saisonniers. Eux, ils ont la chance d'avoir l'été et l'hiver. Nous, bon, ça se rapproche un peu de nous, toutes les régions confondues. Alors, en tous les cas, le tourisme profite en premier lieu à la restauration, au secteur de la restauration, de l'hébergement qui concentre 60% de l'emploi local touristique. Ça, c'est intéressant, parce qu'au niveau de la gastronomie, on connaît. On peut essayer ici de se rattraper sur ça. Voilà les résultats de l'INSEE. Et qu'est-ce que ça pourrait nous rapporter sur le plan ici de la création d'emplois dans le tourisme? Je vous donne la parole. Une expression qui venait naturellement à la bouche. Tu dirais, on va la contrôler. Pas grand-chose. Oui, mais enfin, on appartient à un pays qui est quand même le premier pays touristique au monde. Comparaison n'est pas raison. Voilà, tous les exemples cités, les éléments de comparaison cités, la montagne, la côte littorale, ça fonctionne sur les saisons, il y a des roches. Bon, il y a aussi, il ne faut pas oublier, l'élément topographique et la diversité géographique. Sur le terrain, nous, on est en train de perdre des emplois. Les hôtels ferment. Voilà, bon. C'est le problème des hôtels. Les hôtels ferment. Il y a le tourisme, on a été, je suis commis avec ce monsieur, à une conférence de l'INSEE aussi. Ouais, ouais. Le tourisme est supporté par quoi? Par la croisière. La croisière génère en participation, en recettes réelles, pas plus de 15 euros en moyenne par touriste débarqué. Ce qui est totalement faux. On va y revenir. Ce qui est totalement faux. Recensé 15 euros en moyenne. Ouais. Bon, yes. On va voir plus. On perd, les hôtels ferment. Le dernier, le Marouba. Il y a un projet sur le Diamant qui va s'ouvrir pas avant 2-3 ans. Cela veut dire, pour l'instant, des centaines d'emplois qui sont perdus. Il n'y a pas d'hôtel qui s'ouvre entre-temps. Ça passe. Aujourd'hui, il y a les gîtes. Oui. Mais les gîtes génèrent moins d'emplois que génèrent les hôtels. Donc, en fait, c'est tout le modèle économique du tourisme qu'il faut repenser. Mais en se mettant dans la tête que ce tourisme, ce modèle touristique, ce modèle économique qu'on va essayer d'imaginer, ce n'est pas pour tenir 12 mois. Les mêmes les professionnels, j'ai fait un petit peu un inventaire, les chimies, elle évoquait cet élément lors de la visite de Hollande, c'est la pluriactivité. Oui, il faut peut-être repenser ça. Penser que si le tourisme fonctionne en montagne, sur les côtes littorales, c'est qu'on raisonne par saison et au niveau de l'emploi.
Nous, on n'a pas de saison. C'est vrai, c'est soleil tout le temps. En d'autres mots, tu veux dire que ton client. Attends, en d'autres mots, ce que tu dis, c'est qu'on peut pas, que les hôtels ne peuvent pas supporter du personnel pendant toute l'année. Si tu as des clients toute l'année, oui. Tu peux, si tu n'as pas de clients, il faut que tu adaptes. Quand tu n'en as pas toute l'année. Voilà. Eddie. Alors, moi, je crois que c'est le regard qu'on porte sur les chiffres qui est important. Ouais. Donc, si les chiffres ne sont pas bons, notre regard est faussé. Les gens qui communiquent sur le tourisme sont des gens qui sont relativement frileux, on va dire ça comme ça, et qui n'ont pas une vision globale de l'économie touristique. Je vais vous donner un exemple très précis. Les gens qui communiquent sur le tourisme disent le tourisme va mal parce que les hôtels vont mal. Les hôtels, c'est fini depuis très longtemps. Ça veut dire qu'il ne faut pas communiquer sur les hôtels, il faut communiquer sur le mode d'hébergement. Ok, 75% des touristes qui arrivent en Martinique vont ailleurs qu'à l'hôtel. Donc, on ne peut pas parler d'hôtel. L'hôtel, c'est la minorité de l'accueil touristique. C'est la majorité de l'emploi touristique dans l'hébergement. Mais ce n'est pas la majorité de l'accueil. Donc, notre façon de communiquer devrait être celle des Açores ou des Canaries en disant notre offre d'hébergement aux Canaries, c'est 80% de l'offre d'hébergement, ce sont des villas. Donc les types, ils ont déjà changé. Ils se sont dit quoi ? Bon, comme on ne peut pas avoir des touristes toute l'année, on va offrir aux touristes un autre mode d'hébergement qui va nous permettre d'être plus riches. Parce que on parle de l'hôtellerie, mais l'hôtelier martiniquais, il n'a qu'une toute petite partie du chiffre d'affaires généré par le fait que le type vienne chez lui. La majeure partie est prise par le tour opérateur et le transporteur. Ok ? Donc, il arrive comment à payer ? Il n'arrive pas. La preuve, donc, l'idée, c'est quoi ? C'est de dire, est-ce qu'on ne peut pas changer de modèle ? Et tu as raison, modèle économique touristique, en disant, eh ben, à défaut de créer 450 emplois, je dis n'importe quoi, dans un hôtel, créons 200 emplois, mais répartis dans une centaine de villas. On récupère davantage d'argent, l'argent va dans la poche des Martiniquais. Laissez-moi poser des questions. Oui, va dans la poche des Martiniquais. Va dans la poche des Martiniquais. Alors que les Martiniquais, dans les hôtels, ce sont des chaînes hôtelières qui sont d'origine. On ne gagne pas d'argent aujourd'hui. On ne gagne pas d'argent dans l'hôtellerie. Sauf si on est en République dominicaine et qu'on ne paye pas son personnel. On ne paye pas ses murs parce que la majorité des hôtels sont issus du blanchiment d'argent. On investit dans l'hôtel et on n'attend pas de retour sur investissement. Mais ce modèle-là, il ne peut pas être le modèle de la Martinique. Ce n'est pas possible. OK ? Donc, on change de modèle économique. Aujourd'hui, on ne doit plus parler sur un schéma, en fait, s'exprimer sur un schéma qui est dépassé. Autrement dit, ceux qui s'expriment sur le tourisme sont dépassés. Leur modèle est dépassé. Leur modèle, alors à la fois le modèle et la vision qu'ils ont du modèle est dépassée, mais ils ont du mal à l'accepter. Pourquoi ils ont du mal à l'accepter ? Tout simplement parce que la propafrique qui est liée à l'investissement dans les hôtels, ils ne peuvent pas s'en passer. C'est ça, c'est-à-dire que quand tu fais des petites villas, tu n'as pas besoin d'investissement massif et d'investissement public. Vous vous rendez compte qu'on a construit des hôtels en Martinique avec 70 ou 80% de fonds publics. Ça n'existe dans aucun pays au monde. Okay. C'est ça, c'est la pompe à fric. Okay. Le modèle doit être... Tu as dit l'essentiel, Michel. Non, enfin... Moi, je crois qu'il faut... d'abord, ceux qui s'expriment sur le tourisme, il y a d'abord ceux qui observent. Bon. Quelles sont les sources d'information ? Les sources d'information, c'est le CMT qui fait de temps en temps une enquête. Comité martiniquais de tourisme. Comité martiniquais de tourisme, et qui fait des évaluations. Et puis, il y a une enquête semestrielle de l'INSEE concernant notamment l'hôtellerie. Bon. Et puis, il y a... pour évaluer le PIB touristique, il y a une enquête d'ailleurs qui a été faite par Célimène il y a quelques années, un modèle qui a été repris par quelqu'un que je peux nommer, c'est un ancien condisciple à toi, Marques. Bruno Marques au CMT. Bon, donc on a quelques éléments. On a quelques éléments sur l'évaluation. Mais moi, je comprends qu'il faille opposer, dire que le modèle de hôtelier est totalement dépassé. Il faut qu'il se transforme. Je pense aussi. Il faut qu'il se transforme parce qu'il y a quand même une clientèle pour ce type d'hôtel, mais pour autre chose. Bon, maintenant, qu'il faille mettre en avant les autres formes d'hébergement, mais à mon avis, c'est déjà, d'ailleurs, on n'a pas entendu, c'est en cours. On n'a pas entendu justement, comme nous le disions,
que des autorités publiques le disent, c'est que spontanément, une bonne partie, en gros, nous avons 500 000 touristes de séjour, grosso modo en Martinique. Et ça n'a pas bougé. Mais il ne faut pas dire quand même que ceux qui observent le tourisme se trompent, parce qu'ils ne disent pas que, ils disent que depuis 10 ans, c'est 500 000. Or, c'est ça le procès qui est fait. Depuis 10 ans, c'est 500 000, ça n'augmente pas. Donc, pour le moment, en dehors de la croisière, il n'y a pas de... on ne peut pas considérer... Qu'il y a un redémarrage du tourisme. Il n'y a pas de redémarrage non plus, d'accord. C'est non. ça. C'est ça, là. Ce qui étant, Edine nous avait dit qu'on a dit 15 euros en moyenne. Voilà. Non, c'est faux. Non, mais c'est faux. Prenons un exemple précis. Aujourd'hui, 65 000 croisiéristes, ce qui représente à peu près 25% du total des touristes, sont des gens qui embarquent en Martinique. Ces gens-là ne dépensent pas 15 euros. On préfère ne pas en parler, mais le Martiniquais qui embarque, il ne dépense pas 15 euros. Et il fait partie des statistiques du tourisme. Il n'y a pas que lui, Le métropolitain, parce que nous sommes tête de ligne, le métropolitain qui débarque ici, donc lui, quand il débarque, il ne dépense pas 15 euros seulement en Martinique. Et puis... Celui qui débarque, il vient pour le séjour. Et qui repart. Laissez-moi aller plus loin. Il arrive à l'aéroport, il séjourne une nuit ou pas, et il monte sur un bateau. On est tête de ligne. Donc, tout ça. Donc, ils sont nombreux. Mais ils sont très nombreux, je viens de te dire, 65 000. Des Européens qui viennent ici. C'est l'essentiel des 65 000. Ça doit être trois quarts des 65 000. Je parle des Martiniquais, mais il n'y a pas 65 000 Martiniquais qui partent en croisière. Donc, l'essentiel de ces embarquants ou débarquants, ce sont des Européens. Et ce tourisme-là se développe parce qu'une grosse partie des compagnies sont des compagnies européennes, vous le savez. Des compagnies européennes. Donc, le chiffre aujourd'hui de 15 euros... Il est donné par des gens, en réalité, qui veulent minimiser l'impact de la croisière. Je peux te dire que les professionnels de la croisière, ils savent bien que ce n'est pas 15 euros. Si ce n'est pas 15 euros, c'est quoi? Mais c'est largement plus que 15 euros. Mais non, je ne vais pas te donner de chiffres. Tu fais un rapport, tu enlèves les 65 000. Il y a beaucoup plus que ça. Simplement, ce que je disais tout à l'heure, le rapport à l'économie touristique doit changer à la fois chez les politiques, mais et aussi sur ceux qui calculent. Je vais vous donner un seul exemple. Laisse-moi finir. Gabriel, c'est cohérent ce qu'il a dit. Laissez-moi vous donner. Tu sais qu'il aime bien nous éblouir avec des trucs. Celui qui débarque et qui repart de la journée, à moyen de dépenser 15 euros. Non, ce n'est pas vrai. C'est ce chiffre-là que tu as dit. L'enquête de l'INSEE, c'est croisiériste débarquant la journée, rembarquant le soir même, le type en moyenne 15 euros par mois. Parce que le mec, il n'a pas beaucoup qui prennent le tour par rapport à la Sébière. Les mecs vont à pied, ils prennent la navette, ils vont se baigner à l'hospital, ils reviennent, ils prennent la pied, ils reviennent en bateau. Ce chiffre est totalement... Et tous ne descendent pas. Voilà. Mais sur ça, vous vous êtes exprimé. C'est clair. On va passer sur un sujet qui vous intéresse plus que ça, je sais. Alors laissez-moi arriver là-dessus, ça vous intéresse beaucoup plus. Ce sont les parlementaires qui se sont penchés sur la collectivité territoriale de la Martinique. Vous êtes deux spécialistes, tous les deux, à Mandrin et à Bagol. Vous êtes derrière 15 euros, 15 euros, 20 euros. Vous êtes là comme des chiffonniers, comme des épiciers, là. Il se régale. Alors, le groupe de réflexion composé des anciens parlementaires de la Martinique. Ah bon? C'est bon de faire un peu d'histoire. Monsieur Alfred Almond. On peut dire, voilà. Monsieur Philippe Edmond-Mariette. On va parler de la préhistoire. Monsieur Branchy, soyez un peu respectueux. Monsieur Bissol. Monsieur Cabras. Voilà. surtout qu'il y a des gens pour lesquels il a voté à l'époque. Oui, absolument. Donc je reviens, sérieusement. Alors, monsieur Alfred Almond, monsieur Edmond Mariette, monsieur Jean Marant, monsieur Pierre Petit, monsieur Anicette Uriné, monsieur Roger Lise, monsieur Guy Lordino s'est penché sur la création de la collectivité territoriale de la Martinique. C'est-à-dire que des gens qui se sont battus politiquement frontalement se réunissent maintenant comme dans des camps opposés. Dans des camps opposés. Et qui se sont battus contre la collectivité territoriale unique aussi. Pas tous. Pas tous. Non, mais c'est pas tous. Il y en a à peine deux là.
Ouais, aujourd'hui. Là, on perd langage, on va parler. Aujourd'hui, monsieur Gallion, s'il vous plaît, ne mettez pas mon. Préservez-le. Ayez un peu de respect. Pas mon camarade de moi, je suis là. Bon. Alors, d'abord, on va rapidement, il parle de l'histoire de la mise en place de la collectivité, qui est un long processus. Ils reviennent à la colonisation, on ne va pas rester sur ça. C'est vraiment qu'ils ont tenu à mettre ça, parce qu'il faut qu'on leur dise qu'ils ne vivent pas l'histoire. Mais ça, c'est une coquetterie. C'est une tribune qu'ils ont faite, hein, qui a été publiée un peu partout et que je reprends. Je ne l'ai pas lu. Et ils arrivent maintenant à la situation qui a été réglée par la collectivité, savoir résoudre la dualité, la confusion, le doublon des deux collectivités. Département-région. Ouais, département-région. Ils expliquent que la collectivité à venir va représenter une évolution importante en ce qu'elle simplifie l'administration qui était devenue compliquée avec la coexistence de deux assemblées régionales et départementales. Pas d'opposition. Ok. Là, ça va. Alors, il parle d'une naissance controversée de cette collectivité, qui a suscité quelques inquiétudes liées à la formulation des questions soumises, et puis ils disent en conclusion, mais enfin, il faut bien nous. Le vin est tiré, il faut le boire. Le rhum est distillé, il faut le boire. Pardon. Non, mais le vin, ça va pour être venu dans une distillerie, savoir qu'avant le rhum, il y a le vin. Ouais. Oui. Exact. Voilà. Donc, le vin tiré, il faut le voir. Il faut continuer, il ne faut le pas achever. Ouais. Ceci dit, je dirais le naissant est là, il faut le boire. Mais c'est là qu'on était. Pas de mystère. Non, mais c'est là qu'on était. C'est là qu'on était, et à l'occasion, il y a un vieux millésime qu'ils ont. Oh, pardon, pas de publicité. Pas de publicité. Ceci dit, il faut quand même un sort à ceux qui prétendaient et qui prétendent encore. Je pense à un juriste, notamment. Ah oui, hein, que il n'est pas juriste. Qui prétendait et qui prétendait que la question qui a été posée n'est pas celle à laquelle on a répondu. Bon, de toute façon, cette année va dépasser. Je n'en ai pas parlé. Ici, on n'a jamais abordé ça. Non, mais ce qu'il y a de bien, je trouve que ces parlementaires-là m'ont semblé être des sages. On continue. Il rassure tout le monde en disant que ça conserve des liens avec la France, etc. Alors, moi, je voudrais vous. Oui, parce que c'est. Non, et donc c'est la volonté populaire. Il n'assume pas. Ouais. Moi, je voudrais arriver à ce sur quoi je voudrais réellement vous interroger. C'est la Constitution, ce sont un peu des clichés. Alors, ils ont examiné le mode de scrutin. Ouais. Voilà. Mmh. Ils expliquent que, voilà, c'est là qu'on y vient. Tranquillement, tout doucement. Que comme pour les, je reprends leur formulation, comme pour l'élection régionale, la Martinique constitue une circonscription unique. Territoriale unique. Est-ce qu'on peut reprendre cette formulation? Est-ce qu'elle est exacte? Oui. Okay. Oui, ils expliquent que l'élection se fait à la proportionnelle. OK. Sur un bulletin unique comportant 64 candidats, le bulletin est identique dans toutes les communes. Tout à fait. OK. De Grande-Rivière à Sainte-Anne. Ils expliquent qu'à la prime, on l'a assez de 11 sièges. Et ils disent qu'avec la différence avec la région consiste sur le fait que l'ensemble du territoire sera représenté grâce à la création de 4 sections. Une circonscription unique pour que les gens s'habituent au vocabulaire. Et puis, 4 sections. Et que chacune de ces sections recouvre une circonscription législative. Autrement dit, on les rappelle. Et dit, les circonscriptions du Nord, celle qu'on appelle du centre atlantique. Alors, on l'appelle le centre. Oui, c'est vrai. C'est le centre. Donc, je vais rapidement. C'est Trinité, Gros-Morne, Lamantin, Robert et François. Donc, 5 communes. La circonscription législative de Fort-de-France. Le territoire de Fort-de-France. Et puis le sud, toutes les autres communes qui sont sur la, du Corse, trois îlets arrivant jusqu'au Vaucluse. Alors revenons sur ce qui peut être ambigu, c'est la circonscription du centre. Oui. Parce que sur le centre, ça monte. Oui. On l'appelle, au moment des législatives, on l'appelait centre-atlantique. Centre-Atlantique. Pour dire que c'est un bout, c'est une manipulation. Et comment on va appeler cette section là maintenant? Centre. Mais attends, je crois que là, c'est peut-être là, si on veut faire œuvre pédagogique, c'est dès maintenant. Absolument. En évitant de distinguer les sections les unes des autres. Mais bien sûr. Pourquoi? Circonscription unique Martinique. Nord, sud, est, ouest, tout le monde. Oui. L'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire. Circonscription unique implique bulletin unique. Un seul bulletin de vote. Ça, il faut que les gens se souviennent.
Il faut que les gens. Un seul bulletin. C'est-à-dire que du nord au sud, on aura chacun le même bulletin à la main. Je vote à Grand-Rivière, je prends le même bulletin. Que celui qui vote à Saint-Anne. Alors, oui. Par contre, allons faire une petite pause sur le bulletin. Oui. Attends, j'y arrive. Un seul bulletin. Ayant le nom des 64 candidats répartis sur quatre sections. Voilà. Indiqués sur le bulletin. Voilà. OK. Le bulletin, c'est un seul bulletin. Avec, sur le nord, 17. OK, 17, on a 17, compris. 16, on a compris. 16. Il nous reste peu de temps. Fort-de-France, il nous reste peu de temps. Centre, 17, Accès. Sud, 16. Voilà. Alors, et on vote. Comment on vote? Mais tu vas le bulletin. Tu n'as pas fait comme les pays latinos, tu ne changes rien. Pas de rapture. Tu ne changes rien, tu ne suis pas d'accord avec un bulletin blanc, mais si tu crois que tu vas voter pour les candidats que tu estimes, tu habites Sainte-Marie, je vais voter pour le candidat du Nord, je vote pour le candidat du Sud, tu te trompes, tu votes pour le seul bulletin. Donc c'est clair, on a vu. Alors les sages nous disent qu'un système, ils ne sont pas entrés là-dedans dans leur communication, un système complexe qui assure en définitive la représentation des quatre sections dans l'Assemblée élue. Voilà. Restons sur ça. Je donne la parole à Eddy sur ça. Oui, non. Il n'y a pas de souci là-dessus. Si on imagine que dans chaque section, il y a des gens qui sont originaires, on va dire ça comme ça, hein. C'est pas obligatoire. Mais dans chaque section, il y a des gens qui sont connus comme étant, puisqu'il y a leur nom, du Nord, du Sud, etc. Ce sera ça pour la grande majorité des gens qui seront candidats. On peut considérer que l'Assemblée sera représentative du territoire. Oui, c'est vrai. Elle sera automatiquement représentative du territoire à la mesure où la répartition des sièges se fera au prorata du nombre de suffrages obtenus dans la section par la liste. Ouais. Ce qui fait que sur une, deux ou trois listes qui pourraient avoir des élus, donc des sièges, occuper les 51 sièges de l'Assemblée, on peut estimer que sur les 51 sièges, chacune des sections aura des représentants répartis sur les listes représentées. Tout à fait. Voilà. Ouais. On est d'accord. Oui, on est d'accord sur ça. On touche pas au bulletin, et ensuite c'est au moment du dépouillement qu'au proata, en fonction de... Voilà, c'est le... Le nombre de sièges est défini par la totalité des sièges obtenus par la liste sur l'ensemble de la Martinique. Voilà. Et si j'ai obtenu un total de sièges, sur le total de sièges, on regarde comment on l'a réparti, c'est-à-dire on regarde quel est le poids de la, obtenu par la liste sur chacune des sections. Donc, autrement dit, le débat, oui. Je suis du Nord, je suis du Sud, etc., c'est un faux débat. C'est un faux débat. C'est un faux débat qui détourne l'électorat de la volonté de ceux qui ont voulu créer cette collectivité unique, c'est amener les Martiniquais enfin à penser Martinique, pays. Ouais. Pays. Et non pas, depuis le Conseil général de la fin du 19e siècle, à penser canton. Canton. Et c'est ça qui gêne certains qui sont encore attachés, qui ne veulent pas que les Martiniquais se pensent comme une collectivité, unique. Son candidat, qui a compté le temps de parole. Non, à la limite, normalement. Je suis au stade de l'explication de la mutation. D'ailleurs, tu devrais te taire. Je reprends l'expression que tu as citée de nos parlementaires, de nos honorables ex-parlementaires. Ils ont raison de dire que c'est un changement important. Oui. C'est dans le mode de pensée. Bon, ouais. Alors, moi, je prends mon stylo et je marque l'endroit où nous sommes arrêtés. Et on va reprendre avec des exemples chiffrés. Eddy Marajot, quand il aura 30 secondes, ce qui est exceptionnel et rare, va prendre la population, le nombre de votants estimé, avec un taux de participation qu'il faudra estimer aussi, voilà, avec qui se projette là, en tant que politologue, politiste. Enfin bon, en tenant compte des instances. Non, mais on ne peut Galets, pas. Les Galets, on peut pas sentir. On peut pas de. J'avais fait une estimation. Mais on peut pas. On peut essayer, bon, on peut faire l'estimation. On va essayer de faire ça. Je crois que bon, il y a une estimation qui est beaucoup. Il y a deux estimations par contre. Il y en a une qui existe, qui est faite, qui est présentée tous les mois, c'est celle de Justin Daniel, avec dans la tournée que fait le Conseil Culture et Environnement, CCE Éducation. Donc il fait une projection à partir des résultats de la régionale 2010. Mm-hmm. Il y en a d'autres qui s'appuient sur les résultats législatifs 2012. Évidemment, ça ne donne pas les mêmes résultats, mais la démonstration est la même. Ouais. Bon, cela veut dire que ce qui est important, c'est que chaque état-major et chacun des électeurs à comprendre que en votant pour une liste, on vote pour une liste et on vote pour donner des sièges à une liste. On ne vote pas pour qu'un tel de la liste soit élu. Ouais. Voilà. C'est ça.
C'est sur ces paroles très solennelles que je vous remercie d'avoir contribué à la formation civique des citoyens. Tu peux même pas parler là non plus, que tu es candidat. Non, mais même, mais cela dit, tu as déjà parlé de quelqu'un de voter parce qu'il a vu que c'est tel sur la liste. Oui, oui. Parce que c'est humain. C'est humain. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, à la semaine prochaine. Je vous attends.